Salut à tous, c'est Néo. Donc là on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. On se retrouve pour un tout nouveau glitch en solo. En tout cas avant ça, un grand merci à vous tous pour les 12 500 abonnés. C'est juste énorme les gars. Plus que 500 abonnés et on est déjà aux 13 000 abonnés. C'est juste énorme. En tout cas un grand merci à vous tous qui partagent ma chaîne YouTube un maximum. En tout cas, bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles, bienvenue à vous tous. Maintenant, pour commencer le glitch, du coup, vous aurez besoin d'avoir un bunker, ok? Dans ce bunker-là, vous devrez avoir un centre d'opération mobile. Du coup, le centre, il se trouve sur le site Warstock. Et vous devrez avoir à l'intérieur, en module 2, le module vide. Et en module 3, donc le dépôt de véhicules personnels comme moi, ok? Donc, dans votre centre d'opération mobile, vous devrez avoir le véhicule que vous voulez dupliquer. Moi, pour ma part, j'ai pris la ici anticipation. Car c'est le véhicule qui se revend le plus cher. Mais ce n'est pas obligé. Ok. Donc, vous devrez aussi posséder soit le garage de la salle d'arcade, soit le garage de la boîte de nuit, soit le garage du casino, ou soit le garage de la Maison Banque Arena. Ok. Un des quatre marches, c'est vous qui choisissez. Moi, pour ma part, j'ai choisi le garage de la boîte de nuit. Ok. Et dans ce garage là, vous devrez avoir une Elegy RH8 pour dupliquer. Ok. Donc vous devrez aussi posséder un appartement de PDG. Moi par rapport, c'est la Maison Banque. Vous devez aussi être en session publique. Regardez, moi je suis bien en session publique. C'est très important, sinon vous ne pourrez pas rester le glitch en session sans invitation. Vous devez aussi être en mode de visée libre. Donc pour ceux qui l'ont pas, vous le changez soit en mode histoire ou soit vous le changez en mode éditeur. Voilà. Du coup, une fois tout ceci préparé, vous êtes prêt à réussir le glitch. Du coup, c'est parti. Let's go. Allez, hop. Donc là, pour commencer, vous vous dirigez vers votre centre d'opération mobile. Vous rentrez dedans. Et là, vous prenez votre véhicule que vous voulez dupliquer. Moi, pour ma part, c'est bien là, ici, anticipation. Du coup, je monte dedans. Là, je fais le bouton R2 pour sortir. J'aurai un petit écran noir avec un petit chargement blanc. Et après ce chargement-là, je vais spawn dans le parking du bunker. Une fois que j'ai spawn dans le parking du bunker comme moi, là vous allez vous diriger vers votre centre d'opération mobile, vers le petit rond bleu. Là vous allez avoir un petit message en haut à gauche comme moi. Maintenant là vous allez reculer le plus possible tout en gardant le petit message en haut à gauche. Une fois que je me suis reculé un maximum, là vous descendez de votre véhicule, puis vous remontez et vous laissez la porte du véhicule ouverte comme moi. Maintenant, là vous faites pavé tactile, style, tenue et vous changez une tenue pour pouvoir avoir le petit cercle en bas à droite orange qu'il se fait. Une fois qu'il s'est fait, vous refaites pavé tactile. Là vous allez dans masquer icône, activité et vous mettez en personnalisé comme moi. Maintenant vous faites le bouton RO, vous faites le bouton start pour ouvrir la map en grand et vous cherchez un icône en bleu, la plus proche de votre bureau de PDG. Moi, pour ma part, c'est celui-là. Du coup, je fais le bouton carré pour lancer. Donc, si vous avez un message d'alerte comme moi, ce n'est pas grave. Vous refaites start et vous rouvrez la map en grand. Et là, vous allez faire le bouton carré sur un icône en bleu le plus proche de votre appartement de PDG. Du coup, une fois rendu dans les paramètres de l'accueil de l'activité, là, vous allez rejoindre une personne qui a un mode de visée différent de vous. Soit par votre communauté, soit par votre liste d'amis. Moi, pour avoir accès à cette communauté, donc c'est ma propre communauté qui s'appelle NeoGamer. Du coup, n'hésitez pas en tout cas à la rejoindre. Du coup, là, on rejoint un mec. Là, on va accepter le premier message et on va refuser le second message. Là, on aura un petit message comme quoi une erreur réseau est survenue. Maintenant, vous vous dirigez vers votre appartement de PDG, vous rentrez dedans. Et là, vous allez vers votre canapé. Une fois rendu vers votre canapé, là vous allez faire la flèche de droite
pour vous asseoir, du coup, votre joueur va s'asseoir. Une fois qu'il s'est assis, là, vous allez faire la flèche de droite pour regarder la télé. D'accord? Alors, flèche de droite, notre joueur regarde la télé. Maintenant, là, vous allez faire un coup vers la gauche avec votre joystick de gauche. D'accord? Alors, on fait un coup vers la gauche avec notre joystick de gauche. Là, on aura un petit écran noir avec un petit chargement blanc en bas à droite. Regardez, c'est nickel. Et là, on va spawn sur la chaîne Alerte Info. D'accord? Donc, regardez, là, on va bien spawn. Du coup, une fois qu'on est rendu sur la chaîne Alerte Info comme moi, là, vous allez faire encore un coup vers la gauche. Vous allez avoir un écran noir, puis on va spawn en spectateur sur les joueurs. Du coup, une fois rendu en spectateur sur les joueurs comme moi, là, vous allez faire le bouton rond pour faire retour. Ok? Alors, bouton rond, on fait retour. Là, on aura un petit écran noir, puis on va spawn sur le canapé. Une fois qu'on spawn sur le canapé, là, vous allez faire le bouton rond pour vous lever. Ok? Alors, bouton rond, là, notre joueur se lève. Une fois qu'il s'est levé, là, vous allez vous mettre face au canapé comme moi. Vous allez faire le bouton Start, aller dans l'onglet En ligne, et là vous mettez votre curseur sur Pack d'entrer dans le monde criminel. Hop, vous mettez votre curseur sur Pack. Là, vous allez faire une petite manipulation assez simple. Vous allez maintenir le bouton Option, et dès que vous relâchez, vous faites le bouton Croix. Ok, alors, bouton Option, dès qu'on relâche, bouton Croix. Moi, pour ma part, je me suis raté la première fois, du coup, hop, je recommence Start En ligne. Là, on va sur Pack. Du coup, on fait bouton Option, décrochage, bouton Croix. Là, je me suis encore raté. Du coup, je recommence Start En ligne. On va sur Pack. Là, on maintient le bouton Option, décrochage, bouton Croix. Du coup, là, j'ai réussi. Maintenant, là, vous allez martyr le palais tactile. Du coup, le palais tactile va s'ouvrir. Là, on fait rond. Du coup, le palais tactile va se fermer. Une fois qu'il s'est fermé, là, vous allez faire deux fois la flèche de droite pour que votre joueur s'assoie sur le canapé. Une fois que vous avez fait ça, là vous allez aller sur l'onglet Voir les propriétés. On clique dessus. Là on va sur Bureau de la Metz Bank. Là on met notre curseur sur Dynasty 8 et on fait une fois la flèche de droite. Du coup là on aura un petit écran noir. D'accord? Alors on fait une fois la flèche de droite. Là on aura un écran noir avec un petit chargement blanc. Et après ça, on va voir en haut à gauche, on aura le menu des joueurs qui s'affiche. Du coup maintenant, là, vous allez mettre votre curseur sur un joueur qui a un petit œil. Vous avez vu, il y a un joueur qui a un petit œil, du coup, on met notre curseur dessus et on clique sur Dynasty 8. Maintenant, là, vous allez vous diriger que avec le palais tactile. Ok, pas avec le joystick, mais que avec le palais tactile. Là, vous cliquez sur accéder au site. Et là, vous cliquez sur votre appartement de PDG tout en gardant votre curseur sur un joueur qui a un petit œil. D'accord? Très très important. Du coup, là, on clique sur Rénover. On clique sur Organisation. Et là, on va changer une couleur que vous voulez. Ça n'a aucune importance. Moi, pour ma part, je prends la couleur jaune et je fais Rénover. Tout en gardant votre icône sur un joueur qui a un petit œil devant son pseudo. Là, on clique sur Rénover, on clique sur Acheter comme moi. Du coup, la transaction en attente, achat réussi, boum. Maintenant, là, vous faites le bouton triangle pour faire retour. Hop. Là, regardez, boum, c'est nickel. On est bien sur le canapé. Et là, on aura plus la minimap en bas à gauche. Du coup, c'est parfait. Maintenant, là, vous allez faire le bouton Start pour ouvrir la map en grand. Et vous allez chercher une icône en bleu, le plus proche de votre garage où se trouve votre Elegy RH8. Moi, pour en part, c'est celui-là. Du coup, je fais le bouton carré pour lancer. Du coup, une fois rendu dans les paramètres de l'activité, là, vous allez rejoindre une personne qui a un modélisé différent de vous dans ma communauté qui s'appelle NeoGamer. Alors, on rejoint un mec. Là, on va accepter le premier message et on va refuser le second message. Là, on aura un message haut à gauche. Une erreur réseau est survenue. Du coup, là, vous allez vous diriger vers votre garage où se trouve votre Elegy RH8. Du coup, moi, pour ma part, c'est bien la boîte de nuit. Alors, je rentre dans le garage. Moi, pour ma part, c'est dans la boîte de nuit. Mais vous, ça peut être par exemple dans le premier garage.
2, 3 ou 4, ou ça peut être dans le garage de la salle d'arcade, ou dans le garage du casino, ou dans le garage de la Maisbank Arena, ça n'a aucune importance. Du coup, hop, on clique sur le garage. Là, on aura un chargement, puis on va spawn à l'intérieur. Une fois qu'on a spawn à l'intérieur, comme moi, là, vous allez vous diriger vers votre Elegy RH8. D'accord? Alors, c'est parti. Là, je vais spawn dans le garage, normalement. Petit chargement, boum, c'est nickel. J'ai bien spawn. Maintenant, là, vous vous dirigez vers votre Elegy RH8. Vous montez à l'intérieur. Une fois monté à l'intérieur, vous allez faire le bouton R2 pour sortir dehors. Alors, bouton R2, là on aura un écran noir. Puis normalement, vous allez spawn à pied et non avec le véhicule. D'accord? Alors, petit écran noir avec un petit chargement blanc. Et normalement, on spawn bien à pied et sur le véhicule. Regardez, vous allez voir normalement. Si tout a bien fonctionné, regardez. Boum, c'est nickel, on a bien spawn à pied. Maintenant, là, vous allez faire le bouton Start pour ouvrir la map en grand. Et vous allez chercher un icône en bleu le plus proche de votre bunker. Moi, pour ma part, c'est celui-là. Je fais le carré pour lancer. Du coup, une fois rendu dans les paramètres de l'activité, là, vous allez rejoindre une personne dans ma communauté à moi qui s'appelle NeoGamer. Là, je rejoins. Là, je vais accepter le premier message et je vais refuser le second message. Du coup, maintenant, là, vous allez vous diriger vers votre bunker. D'accord? Alors, c'est parti. Du coup, une fois rendu dans votre bunker, vous allez voir, regardez. Boum! Notre ici anticipation est encore là. Maintenant, là, vous regardez la plaque. Du coup, ma part par la plaque, elle se finit par 278. Du coup, hop, on monte dans le véhicule et la plaque va changer, regardez. Boum, c'est nickel, la plaque maintenant elle se finit par 496. Maintenant là vous allez faire la flèche de droite et vous allez accepter le message comme quoi le dépôt de véhicule est plein. Là vous allez voir un écran noir puis un chargement blanc en bas à droite. Une fois le chargement fait, là vous allez spawn dans la remorque du centre. Et là ça sera bien un glitch de duplication en solo. Votre véhicule original se retrouvera bien dans le garage de la boîte de nuit. Et votre véhicule dupliqué se retrouvera bien dans la remorque du centre d'opération mobile. Du coup, en tout cas, les gars, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus et à vous abonner. Go les 12 600 abonnés, je compte sur vous. En tout cas, moi je vous laisse sur ce gameplay, sur ces images. C'était Néo. Allez, ciao!